on va faire un truc méga chouette. Génial. On va faire la chasse aux fournitures scolaires pour aller chercher tes petites affaires pour ta prochaine année en moyenne section. Oh, ça va être trop cool. Et bien entendu, Jen est là aussi parce qu'on va prendre ses affaires pour... le lycée, pour la seconde. Oui. Déjà, trop déjà. Cool. Ça passe trop vite. Vous êtes prêtes? Oui. C'est parti. Oui. Allez. Génial. Et du coup, on va chez Cultura. On a le chariot, on a la liste. On commence par les stylos. Ils sont super, les frictions. Oui, chérie, il est beau, le rose. Regarde, t'as ceux-là, là, les frictions stick. Il y a plusieurs couleurs et tout. Ils sont canons. Jessie, elle voudrait le rose. Trop chou. Cela, c'est bon, tu peux barrer. Il faut un stylo aussi pour Jessie. Regarde, on a trouvé celui-ci. C'est pour toi, c'est pour que tu puisses écrire. Oui. Ouais. Trop bien. Et on peut rayer le stylo ergonomique. Et j'ai vu des surligneurs et je te connais trop. Pourquoi je ne suis pas étonnée? Non, mais je vais te les piquer, ceux-là, par contre. Je crois qu'elle n'est pas d'accord. C'est mes bébés mains. Ah, mais oui, grave. Je les adore. Ça, c'est bon. Ensuite, bien sûr, on a besoin de colle. Attends, regarde, on va prendre le gros paquet comme ça. Et tu pourras partager avec Jenna, t'es d'accord? Elle veut l'attraper toute seule. Ah bah oui, c'est ça, chasse aux fournitures. Oh. Allez, dans le petit chariot. Super. Yes. La colle, c'est fait. On va voir les cartables maintenant. Oui. Et là, c'est The Question. Ouais, quel sac pour lycée? Bon, les spas qui sont canons, mais il y en a plein de différents. Ah, les couleurs et tout. Alors, plutôt couleur, plutôt passe-partout? Plutôt passe-partout, je pense. Ouais. Après, je sais pas. T'as déjà eu noir, non? J'ai déjà eu noir, ouais. Donc, je pense que je vais pas. Pourrais changer un petit peu. Gris, ouais, ça passe avec tout. T'as les trousses assorties si tu veux. Elles sont chouettes. J'en ai déjà une l'année dernière, donc je pense que je vais la réutiliser. Comme ça. On valide. Et toi? Tu veux un petit sac aussi pour la rentrée en moyenne section? Ah, ils sont jolis, les cartables. Il est rigolo, celui-ci aussi, t'as raison. Est-ce qu'il y en a un qui te plaît, du coup? Ah, c'est le premier qu'elle a regardé, en fait. Avec le petit citron, la gourde et tout. Il est trop mignon, tu vas être canon avec. Tu le mets dans le chariot? Allez. Direction maintenant les calculatrices. Ça se remplit, ça se remplit. Bon, bah Jessie a déjà décidé de choisir la sienne. Laquelle il te faut, toi, du coup? Celle-là. Celle-ci? Ouais. Génial. Et toi, Jessie, il y a une calculatrice qui te plaît? La rose. Oh, la petite calculatrice rose, forcément. Tu vas faire des maths, toi aussi? Oui. Oui. Trop chaud. Calculatrice? Check. Ils sont super, ces crayons de papier, là. Regarde, pour droitier. Il y a le kit, carrément? Ouais. Ça, c'est pour gaucher, et là, on a pour droitier. Génial. Tu sais ce qu'il faut surtout pas oublier pour aller en moyenne section? C'est quoi? Des crayons. Des crayons de couleur, oui. Tu vas choisir les tiens? Oui. Allez, je te suis. Hop là. Alors, lesquels tu voudrais de crayons de couleur? Il y en a beaucoup, hein? Oh, ceux-là en haut? Oui. Oh, super. Ils sont trop beaux. Tu vas faire des super dessins avec ça, c'est certain. Tu les mets dans le chariot? Crayon couleur pour Jessie, c'est bon, on en est où de la liste? Mais on a tout. On a tout fait. Mais oui, génial, trop cool, on vous montre tout ça en rentrant. On se retrouve à la maison. Oui. Oui, on a trouvé tout ce qu'on voulait, parce que cette année on s'est dit, on n'attend pas le dernier moment, depuis le temps, on a l'habitude des listes des fournitures scolaires. Donc on a acheté toutes les choses qu'on savait indispensables, et on s'est dit que quand on aurait les listes des filles, on compléterait avec les 2-3 bricoles qui nous manqueraient, mais là déjà je pense qu'on est pas mal. Oui. Du coup on fait comment? On commence chacune son tour? Allez. Tu commences? Moi, qu'est-ce que tu veux nous montrer? J'ai monté des crayons, j'avais acheté ça. Alors, on a des crayons de papier, c'était le lot avec la gomme également, et le taille-crayon. Et du coup, ce sont des crayons de papier spécial droitier, parce que pour le moment, je suis des droitiers. Et moi aussi, j'en ai un. Voilà. J'ai décidé d'en prendre un parce que je trouve ça fun. Et pour droitière aussi? Oui, du coup. Moi aussi, je suis droitière. Oui, chérie. Alors là, on a un stylo. Stylo. Ergonomique. Wow.
pour les premières écritures, je dirais. Et pareil, c'est pour droitière. Moi, j'ai un stylo plume. Pareil, ergonomique. Donc voilà, super stylé. Plus il est beau, il est bleu. C'est classe. Du coup, tu peux peut-être enchaîner avec les cartouches. Forcément. Encre effaçable. Sans cartouches. C'est vraiment bien, c'est pratique. Comme ça, au moins, je ne serai pas en panne de cartouches. Moi, de la colle à acheter pour coller les dessins, pour coller les feuilles, pour coller les lettres. Oui. Oui, mon amour. C'est trop mignon. Des petits sous dessus. Pokémon. C'est Mario. C'est Mario, mon amour. Mais c'est beaucoup trop chou. Bon, du coup, on a pris un lot parce qu'on s'est dit que Jen en aurait besoin aussi. Donc, elles partageront. Jen, c'est à toi. J'ai pris un lot de stylos friction. Donc, il y a deux stylos friction bleus, effaçables. Trop bien. Et il y a un surligneur effaçable jaune. Voilà, donc c'est pratique. Et aussi des rechargeables. Rechargeables. Et du coup, attends, mon amour. Parce que là, on est toujours dans les stylos. Je sais pas si je vais réussir à montrer toutes les couleurs. Mais j'ai pris tout ça de couleurs. Pareil, rechargeable, trop bien effaçable. Il y a vraiment de toutes les couleurs, je suis trop heureuse. L'agenda, il va être cool. Je vais pouvoir faire des dessins avec. Ça va être trop trop cool. Du coup, on passe à toi maintenant. Qu'est-ce que tu veux nous montrer d'autre? Des crayons et pour dessiner. Des crayons de couleurs, viens, on les montre. Trop de mignon. Toutes les couleurs, il y en a plein. C'est spécial pour les enfants. Ils ont l'air trop chouettes, t'as vu? Oui. Ils sont ultra résistants. Donc ça, c'est hyper cool. Il y a toutes les couleurs. Il y a toutes les couleurs pour faire de beaux dessins. Oui. J'ai aussi pris d'autres stylos frictions qui ne sont pas rechargeables, mais qui sont aussi passables. Oui. Il y en a pour maman. Leur petit nom, ce sont les Friction Ball Sticks. Ils sont incroyables. Oui, j'en avais besoin aussi. Du les coup, j'ai couleurs. Pris la grande boîte. Ils sont trop belles. C'est clair. C'est incroyable. Pointe moyenne, roller gel. Mes cahiers vont être trop beaux. Moi, il y a des feutres qui sont poussées, qui sont gants. Oui. Pour dessiner. Ils sont trop beaux. Je peux les montrer de plus près. Des feutres pour Jessie. Donc, ce sont des pointes moyennes. Et là aussi, il y a plein de couleurs. Il y en a rose, orange. En fait, il y a orange foncé, orange clair, jaune. Oui, les nuances. Vert. T'as vu ça? Bleu. Et bleu. Il y a plein de vert, il y a plein de bleu, il y a plein de couleurs. Ça va faire des dessins super cool. Et alors, et la petite particularité? Et marron. Oui, aussi du marron, du noir. Du blanc et du noir. On a fait toutes les couleurs. Je disais, la particularité, c'est qu'ils peuvent rester ouverts 8 semaines sans sécher. Et ça, pour les enfants, ça, c'est génial. Ça, voilà, mais il faut quand même fermer ses feutres. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est mon coup de cœur. Je vais te les piquer. Ils sont waouh. C'est un lot de 23 fluo. Surligneurs. C'est incroyable. Les couleurs sont incroyables. Les couleurs, c'est vraiment, c'est palette. Puis il y a un petit socle et tout. Oui, en fait, ça donne ça. Quand là, on les pose, vous voyez, c'est trop, trop chouette. Cette de bureau. Tu vois, cette de bureau, ce serait parfait posé sur mon bureau. Tu veux aussi se les piquer? Oui. Je crois qu'il va les prêter. T'as encore des choses, toi? Oui, mais... Regarde. Toi, j'ai encore des feutres. Alors ça, ce sont des feutres Velleda. Du coup, on a pris un paquet de bleu pointe fine, un paquet de couleurs pointe moyenne et un paquet de couleurs pointe fine aussi parce que du coup, on a aussi l'ardoise Velleda. Ouais. Tu vas pouvoir écrire dessus et effacer et recommencer. Tu sais quoi? Juste après, on y sera. J'ai pris l'indispensable. Un lot de 3 rubans correcteurs. Ça sauve la vie, littéralement, faut être honnête. En évaluation, ça sauve la vie quand on se trompe. C'est pratique, voilà. C'est sûr. Tu peux continuer parce que du coup, on attend, on garde le... Ninja. Autre indispensable pour le lycée, une calculatrice. Lycée, moi. Je suis aussi une calculatrice. Ensuite, j'ai pris 4 cahiers de 96 pages. Ils sont trop sympas. Et les couleurs sont magnifiques. C'est ça, en fait, ce sont les cahiers... amoureuse des couleurs. Couverture pastel. C'est ça. Donc vert, jaune, bleu, pastel. Oh, franchement, trop sympa. Beaucoup trop chouette. Et alors ça, elle en avait trop envie. C'est un cahier où il y a différentes couleurs pour différentes matières. En fait, c'est un cahier organiseur, quoi. Où on peut. Et c'est super pratique parce que du coup, genre, je pourrais avoir un cahier pour plusieurs matières.
Ah, franchement, le fait qu'il y ait des couleurs, je trouve ça génial. Donc vraiment, c'est trop bien. La couleur pour mieux s'organiser, se motiver, se concentrer. Mais non, mais moi, mais même la première page comme ça, avec les couleurs, j'aime trop. Fais attention, je risque de te le piquer aussi, celui-ci. Du coup, comme d'habitude, on a gardé les meilleurs pour la fin. Les sacs d'école. Ah, comment il est ton sac à dos? Citron. Un citron. Il est citron. Il est trop mignon. Les couleurs sont trop canons. Il y a la petite gourde. C'est trop mignon. Oui, voilà. Bah oui. Il y a la petite poche sur le côté. Il y a une grande poche devant. Et derrière, on peut mettre le prénom. C'est trop cool. Et en plus, il est trop mignon, ce petit bonbon acidulé. Et quoi qu'on va manger si tu veux. T'as raison. Il te plaît, ton sac? Oui, on va le manger. Il est trop beau. Et on va manger le petit bonbon acidulé. Et moi, du coup, j'ai pris une valeur sûre, un sac Eastpak. Voilà, gris. Pour changer, parce que du coup, l'année dernière, j'avais pris un noir. C'est ça. Puis efficace. Ils sont faits là, c'est, voilà, on les adore. On peut beaucoup de choses à l'intérieur, en plus. C'est vrai, c'est cool. Oui. Du coup, on arrive à la fin de cette petite vidéo Back to School. On espère qu'elle vous aura plu. Et on avait une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà fait votre chasse aux fournitures scolaires? Est-ce que vous attendez le dernier moment? Est-ce que vous êtes du style à vous y prendre en avance? Est-ce que vous avez déjà eu vos listes? Et on avait très envie de savoir aussi ce que vous, vous préférez choisir par-dessus tout. Est-ce que c'est plutôt le sac? Est-ce que c'est plutôt les stylos, les cahiers? Bref, dites-nous tout ça dans les commentaires. Et sur ce, on vous laisse. On vous envoie plein de gros, gros, gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut, salut. Ah, c'est coquinette. Salut, salut.